rappelle au téléphone. Dans des formations qui a fait mon jeune pédiatre. Donc nous répondons à l'appel de Société Haïtienne de Pédiatrie. Donc Société Haïtienne de Pédiatrie, c'est lui qui regroupe tous les pédiatres. Son corporation liée. Donc Société Haïtienne de Pédiatrie, dans des démarches pour sympathiser à ce qui passe à y dénoncer, demandé pour nous répondre à l'appel et venir nous poser un geste de fleurs. Et après ça, il y a bien d'autres conférences qu'on fait, il y a bien d'autres réunions qu'on fait pour toujours sympathiser à l'événement. En gros, c'est ça, je ne vais pas avoir autorisé que la société haïtienne de pédiatrie, c'est juste un jeune pédiatre, un pédiatre du pays qui répond à la main. Donc, comme moi, responsable d'émission aussi de santé, hier, sur Radio Caraïbes, dans le micro santé, j'ai essayé de dénoncer et toujours dans la même démarche, dénonciation, ça, moi là, je dis. Donc, après, si le médecin est ouvert, il peut parler. Le responsable de la société haïtienne de pédiatrie a bonne conférence. Merci. Bon, pas oublier que c'est dans la faculté de médecine. Je fais toute classe moins comme médecin. Et donc, je dis à moi là, à titre de citoyen, moi là, à titre de médecin, mais moi là, à toi, à titre de homme politique. Parce que pour un médecin de 63 ans, et qui presque même l'âge avait, qui dévouait toute ville pour les gens qui n'ont pas gagné, qui ont gagné compassion, c'est un grand pédiatre, et malgré le handicap, il a servi tout le monde. Et puis pour les gens, quand ils descendent sous lui, nous avons toutes les vidéos, les gens ont râlé, ils ont frappé, ils ont tourné éventuellement. Il faut que, en tant que citoyen, nous tristes, en tant que médecin, nous solidaires, et en tant que comme politique, nous révolter. Et nous révolter avec décision pour continuer la lutte nous voulons faire, pour nous gommer contre l'insécurité qu'a mangé le pays, contre le brigandage qu'a mangé le pays, contre le kidnapping qu'a passé dans le pays. Donc, je crois que c'est devoir que m'a fait. Et à un triple titre, et moi, en pile médecin là, matin, en pile là d'ailleurs, c'est ancien élève moi. Parce que pendant 14 ans, j'ai professé dans la faculté de médecine, j'ai enseigné santé communautaire, santé pour tout le monde. Donc ça fait en pile la peine depuis dimanche. Moi, Jean, pas seulement pour médecins, hein. Chaque grand haïtien est crasé. Chaque grand haïtien est kidnappé. Matin, je suis sous Caraïbes et j'entendais une maman avec petit garçon qui vient de parler de Maril qui a kidnappé depuis 7 jours, 8 jours. Il n'y a pas de nouvelles vraiment. Il faut que vraiment Bagayo change l'autre gens. Présence moins, son présence de solidarité, de compassion, qui
qui exprimait tristesse moi, mais aussi décision pour que je continue pour moi pour bagarre changer. Dimanche passé, c'était un petit gros marché qui réalisait en l'état pays pour tout acteur dans la société civile, tout le monde voilà. Dans la catégorie confondue de rejoindre dans la rue. Et c'est dans même juste ça, vu des docteurs à terre malgré nos marchés contre l'insécurité. Bon, ça redouble à deux nous. Ça redouble à deux nous. C'est peut-être ça nous la jeudi et c'est peut-être ça nous. Continuer même j'en ai dimanche dans la terre sous béton, on continue à accompagner toute population haïtienne pour nous faire la grande alliance nationale de bourgeoisie, de classe moyenne et de peuple là, pour nous voir comment nous faire le pays d'Haïti et nous l'autre pays. Garder sous l'autre bord frontière, gens dominicains vivent et puis garder gens haïtiens vivent. Ça a changé, il faut que ça change et ça a changé. Merci. Nous ne voulons pas nous concentrer sur la mort en soi du docteur Patrick. Nous voulons célébrer sa vie qui ne peut pas avoir plus fin ce matin du 28 février dernier. Car docteur Patrick était un combattant, un amoureux de la vie, pleinement vécu. Dans son enfance, il a combattu la poliomyélite et en est sorti vivant. Son handicap physique résiduel n'a pas arrêté son trajectoire. Il a combattu notre société discriminante et réussit avec brio ses études classiques. Il devient médecin, aimant la vie florissante, les urgences de son passé médical, choisit la pédiatrie. Et ainsi, il arrachera plusieurs centaines de milliers d'enfants des méfaits de la maladie et de la mort. Docteur Patrick a lutté avec une ancienne invincible, l'amour des autres, l'amour du devoir, l'amour de bien faire et de mieux faire. Il s'est efforcé dans la sécurisation à des générations d'ouvriers, étudiants en médecine et internes et résidents. Rien ne l'arrête. Pas même les deux ACV qui ont rappelé l'année dernière de descendre des troubles de langage. Il luttait pour retrouver toutes ses facultés, car il était impatient de retrouver ses malades, ses étudiants. La salut nous continuer à servir, à préserver la vie et bien buter ici, en ce lieu fatidique, ce 28 février, contre l'escadron de la mort. Avec tous ceux qu'il côtoyait, il s'est confrère au petit personnel de l'hôpital La Paix. Où il a œuvré depuis plus de 12 ans, le docteur Patrick se montrait toujours affable et vigilant. Ses patients et leurs parents ont joui de son dévouement et de sa générosité. Oui, confrère, tu as fait honneur à ta profession, à ta nature humaine. Ceux-là qui ce matin du 28 février t'ont frappé, maltraité, assassiné, s'imaginent peut-être avoir mis fin à la vie d'un quelconque. Ils se sont grandement battus. Ils nous conduisent à crier sur les toits qu'il existe encore sur la terre d'Haïti. Des hommes dont la valeur ne s'estime pas à leur compte en banque, leur inquiétance, des hommes que l'adversité n'a pas écrit, mais a taillé en gérant pour servir. Des hommes que les balles assassines ne peuvent faire disparaître. La vie de Dr. Patty continue au-delà de la tombe. Et son sang qui a coulé dans ce caniveau demande justice, non vengeance, justice pour ceux qui sont déjà tombés et sécurité pour ceux qui veulent perpétuer l'amour de la vie. Yeah.
Je t'aime entier.